Salut à tout le monde, j'espère que vous allez super cool. Je vous envoie plein d'ondes positives, je vous envoie plein plein de courage. Je souhaite que vous soyez et vous restez, vous demeurez en bonne santé. Si quelqu'un se sent pas bien, je déclare que tu vas te sentir bien maintenant lorsque tu vas me regarder. Alors prends le temps, voilà, de m'écouter. Prends un thé, prends quelque chose qui va t'éveiller. Voilà, ne dors pas sur le message. J'espère que vous n'allez pas vous ennuyer. On parle des quatre signes qui prouvent qu'un homme est amoureux d'une femme. Alors, restez avec moi et vous me donnerez votre conclusion. Écoutez, la Bible dit que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc les peines de cœur créent des pannes de destin. Lorsqu'on a un cœur en mauvaise santé parce qu'il a été écorché, parce qu'il est en souffrance suite à une relation de déception amoureuse, suite à une trahison amoureuse, un cœur qui a été pris en otage par les terrorismes de l'amour, écoutez, par les donjons, un cœur en souffrance finalement donne une vie en souffrance. Mais un cœur en bonne santé, ok, produit une vie qualitativement satisfaisante. Alors j'aimerais partager déjà ici le premier signe. Beaucoup de gens me posent souvent la question de savoir, mais comment être sûr que c'est le bon? Comment être sûr qu'il m'aime? Comment être sûr qu'il est amoureux? Ça, c'est une question qui est posée par des gens qui sont déjà en couple, qui ne sont plus sûrs de l'amour que porte leur conjoint ou qui ont l'impression de plus aimer que leur partenaire, et par des gens aussi qui doivent faire le choix du conjoint et qui veulent savoir si leur choix est le bon. Alors, comment reconnaître un homme amoureux? Laissez-moi vous donner le premier signe. Un homme amoureux, c'est un homme investi. Alors, plusieurs personnes ont besoin de savoir comment reconnaître un homme amoureux. C'est une question qui est posée par des personnes qui sont déjà en couple, qui ne sont pas sûres de l'amour que leur porte leur conjoint, ou qui ont le sentiment d'aimer davantage le partenaire qu'ils ne les aiment en retour. C'est une question aussi qui est posée par des personnes qui ne sont pas encore en couple, mais qui aimeraient s'engager dans une relation durable et qualitative, qui veulent savoir si la personne qu'ils ont en face, l'homme ou la femme qu'ils ont en face, c'est la bonne. L'homme ou la femme qu'ils ont en face, effectivement, les aime en retour. Alors, le premier signe, c'est de quelqu'un qui est amoureux, c'est l'investissement. Quelqu'un d'investi. Quelqu'un qui aime s'investit. Il s'investit dès le départ. Cette personne fait tout au départ pour vous plaire. C'est vrai que ce n'est pas fiable à 100%. Okay? Il y a des exceptions, je vais vous en parler tout à l'heure. Cette personne va tout faire pour vous avoir au départ. Que ce soit temporairement ou dans la durée, cette personne fera tout pour vous avoir. Peut-être que derrière, il y aura une relation sérieuse. Effectivement, la relation à l'entame généralement commence par ce qu'on appelle le coup de foudre. Pour moi, le coup de foudre, c'est l'introduction à la vie amoureuse. Okay? Après, on doit aller plus loin. Donc, un homme amoureux ou une femme amoureuse est investi. C'est quelqu'un qui prouve ses sentiments sur la durée. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'exception. L'exception, ce sont les hommes brisés. Écoutez, certains vont me dire, mais pasteur, pourquoi tu t'attaques seulement aux hommes? Pourquoi tu parles des hommes amoureux et non pas des femmes amoureuses? Nous aussi, nous avons besoin de comprendre, de savoir. Mais j'en parle parce que je reçois beaucoup plus d'hommes et de femmes en souffrance. Par rapport à tout ce qui concerne les questions cœur, que d'hommes qui disent être en souffrance. Donc, vu la proportion des femmes en souffrance qui est assez tragique, assez alarmante, je préfère aujourd'hui, en fait, armer et outiller les femmes pour qu'elles soient moins en souffrance. Alors, l'exception, c'est l'homme brisé.
Ok, l'homme brisé, c'est un homme qui peut aimer, mais un homme qui ne démontre pas toujours cet amour par son investissement, justement parce que il a été brisé. Ils ne se permettent pas, en fait, de s'investir autant qu'ils se sont investis dans les relations précédentes. Donc, ils ne s'investissent pas pleinement, premièrement. Ok, comment reconnaître les hommes brisés? Ce sont des hommes qui vous aiment, ils veulent faire du sérieux avec vous, mais ils ne s'investissent pas pleinement dans la relation. Ok, ce sont des personnes qui vont se marier donc plus tard. Vous savez que notre génération est devenue habituée à l'idée qu'on se marierait et on commencerait une famille beaucoup plus tard que nos parents l'ont fait, que nos grands-parents, arrière-grands-parents l'ont fait. Et pour l'homme brisé, il n'est pas régulier dans son investissement. Écoutez, si vous avez dans une grande ville un travail inhabituel, par exemple un travail artistique qui vous demande de voyager beaucoup, ce moment aussi pour vous marier, ce sera repoussé, donc l'investissement aussi sera moindre. Et cela ne veut pas dire que vous n'avez pas d'amour pour la personne qu'il y a en face de vous. Il y a des hommes brisés aussi qui prennent du recul et qui acceptent d'avoir aussi des relations à distance. Okay. Et donc, il a toujours été avec quelqu'un sous le même toit, quasiment H24, mais pour lui, ce n'est plus une nécessité pour être en couple. Alors, l'homme brisé aussi a un bagage émotionnel qui pèse sur lui et qui va grandissant à cause de son passif. Plus il avance en âge, plus, en fait, ce bagage s'ajoute à la liste de son passif. Ce sont des gens qui ont souffert des promesses rompues, ok, et donc leur bagage émotionnel négatif s'agrandit. Voyez, dans la situation de nos parents, de nos grands-parents, ils se sont mariés jeunes, ils n'ont pas eu à expérimenter autant de relations d'adultes qui ne marchent pas parce qu'elles étaient davantage canalisées, elles étaient davantage contrôlées. Des familles décidaient du mariage de leurs enfants. Donc ce bagage émotionnel-là n'était pas porté simplement par les personnes impliquées dans la relation, mais également par la famille qui encadrait cette relation. Vous savez, quand on a été un homme brisé, ça vous change et ça vous rend plus cynique, ça vous fait quelque chose, oui, ça vous change, ça vous rend plus dur, ça vous rend plus cynique. À mon avis, ce bilan pèse plus lourd encore sur les hommes que sur les femmes. Il est plus facile pour les femmes de recommencer parce que les femmes, elles sont focalisées sur beaucoup plus que la relation, surtout quand elles ont des enfants. Et les femmes ne souffrent pas moins que les hommes, mais ce sont nos cœurs qui sont généralement plus ouverts à aimer encore. Nous sommes naturellement, c'est vrai, vulnérables, de sorte qu'il est souvent plus facile pour nous de recommencer une fois guéris, en fait. Les hommes brisés sont plus durs. C'est un peu comme les cas d'espèce de décès. Ils prennent souvent les pertes comme un décès. Ils ne récupèrent pas pleinement, en fait. Ils peuvent continuer à vivre, mais un morceau de leur cœur est toujours manquant. Et c'est vrai qu'ils font les durs, mais c'est une façade. Mais si vous ajoutez plusieurs amours au cours de plusieurs années, ils peuvent devenir des hommes brisés. Ils ne sont plus, en général, que la coquille de la personne qu'ils étaient autrefois. Un homme brisé est juste une personne qui ne peut pas faire confiance aussi facilement qu'il le faisait dans le passé. Il ne peut pas donner autant qu'il donnait. Il ne peut pas ouvrir son cœur aussi pleinement qu'avant, peu importe et à quel point il le veut. Et il y a beaucoup de femmes qui m'ont témoigné. Vous savez, je suis un pasteur, donc je suis un coach en puissance, en dehors du fait d'être réellement
coach, j'ai reçu beaucoup de couples dans lesquels on trouve ces hommes brisés. Ce sont des gens, pour la plupart, qui ont du mal à se stabiliser à nouveau. La plupart veulent une relation saine et durable, mais ils sont marqués par les stigmates des relations brisées. Et souvent même, certains deviennent des donjons. Il y a une sorte de vengeance qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire qu'ils rendent malheureuse leur partenaire. Ils finissent par rendre leur partenaire si malheureuse avec leur inhabilité à vraiment aimer qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Et donc, il y a des hommes, vous allez vous rendre compte que soudainement, c'est comme s'ils abandonnent, c'est comme s'ils se retirent de la relation. Surtout quand ils ont tant donné par le passé, quand ils ont construit une femme, quelqu'un qui n'avait rien, qui n'était rien, ils l'ont bâti, ils l'ont couvert de cadeaux, ils étaient là à chaque vacances, ils prenaient des vacances, des temps en famille. Mais ce genre d'homme ne fera plus la même chose dans les relations d'après. Ne rentrera plus comme il le faisait avant, toujours à l'heure, au moment du repas. Donc, avec ce genre de personnes, il faut être patiente, il faut aller lentement. Quand il s'agit de relations avec un homme brisé, il faut être solide. J'aime bien dire que, en fait, le mariage, ce n'est pas pour des enfants, c'est pour des personnes matures. Le mariage n'est pas un conte de fées. La relation de couple n'est pas un conte de fées, mais c'est un conte de forts. Donc, quand vous faites face à des hommes brisés, vous devez être encore plus fort, okay? Parce qu'ils vont lentement. L'homme brisé veut aller lentement parce qu'il a été brûlé tant de fois par le passé. Et je crois que maintenant, vous l'avez compris. Je disais que le premier signe d'un homme amoureux, c'est le fait qu'il s'investisse. Mais s'il a été brisé, son manque d'investissement ne signifie pas qu'il ne vous aime pas. Il va simplement prendre le temps de s'investir. Il va s'investir par petits bouts. Il va s'investir au fur et à mesure du capital confiance, au fur et à mesure que le capital confiance, va s'agrandir. Vis-à-vis de votre personne. Donc, il faudra prendre le temps. De toute façon, personne ne veut jamais se jeter dans n'importe quoi ou se marier avec quelqu'un qui n'est pas bon pour soi. À un certain moment, nous avons besoin de savoir si nous perdons notre temps ou pas. C'est vrai que nous voulons faire les choses. Nous voulons savoir si nous perdons notre temps. Mais il y a des relations qui nécessitent que nous prenions du temps. La Bible dit aussi que les biens acquis à la hâte ne profitent pas. Donc, il faut prendre le temps. Moi, je ne suis pas juste en train de parler du mariage ou des enfants. Les hommes brisés sont lents à faire quoi que ce soit pour rendre la relation officielle. Ils vont tarder à rencontrer la famille, ils vont tarder à déménager pour se mettre ensemble avec leur partenaire, ils vont tarder à célébrer les jours fériés avec sa partenaire, aller en voyage, montrer un investissement dans le futur, c'est-à-dire faire des projets communs. Il va tarder dans toutes ces choses. C'est vrai que toutes ces choses comptent, mais elles ont tellement compté pour lui dans des relations précédentes où il a été déçu qu'il va prendre son temps. En général, vous allez voir qu'un homme brisé va manquer les événements importants. Les hommes brisés ont déjà traversé plusieurs vacances avec leurs partenaires, leurs ex-partenaires. Ils ont déjà fêté de nombreux anniversaires. Ils ont déjà participé avec leurs anciens partenaires à des occasions spéciales. Avec tellement de filles qui ont brisé leur cœur justement par le passé. Alors, quand c'est le moment de vous traiter comme quelqu'un de spécial, parfois ils abandonnent complètement. Donc souvent ça fait un peu trop de dégâts. Et ça laisse la femme avec qui ils sont parfois confuse, elle se sent incomprise. Vous savez, les gars en général ne font pas vraiment attention aux occasions spéciales par rapport aux femmes. Mais un homme brisé le fait encore moins. Il faut un effort parce qu'ils savent que ça fera plaisir à la femme. Développement personnel, mais elle est aussi pasteur, elle est entrepreneur, voilà, elle porte plusieurs étiquettes. Et ce que j'ai compris dans le message, en fait, c'est que c'est vrai, l'homme a envie de s'investir pour s'affirmer dans sa nouvelle relation, voilà. L'homme est prêt à tout lorsqu'il est vraiment amoureux, voilà, il veut s'investir. Mais
S'il est malade, il a besoin d'être traité. Parce que moi, dans mon expérience en tant que coach, ce que moi je rencontre par contre, c'est des hommes qui refusent en fait de se faire aider parce qu'ils estiment qu'il n'y a plus de solution à leurs problèmes. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sombrent dans cette situation, voilà, et ils essayent de patauger à l'intérieur. Alors ces hommes présentent des stigmates qui ont un impact néfaste dans leur future relation. Donc elles sont dans le sens où vous allez trouver des hommes, s'il a été abusé, voilà, parce que par exemple en Occident ici, les hommes sont abusés dans les ménages, voilà, par des violences morales, des violences psychologiques, parfois des violences physiques, parce que dans une région, par exemple, comme les États-Unis en Amérique, les premières personnes les mieux protégées, voilà, dans la société américaine, ce sont les enfants, les handicapés et les femmes. Alors, certaines femmes profitent de ce pouvoir-là, de pouvoir dominer les hommes et faire d'eux ce qu'elles veulent. Et donc, on trouve aussi des hommes qui ont été abusés financièrement. Ce genre d'homme, quand vous rentrez dans son ménage, quand il tombe amoureux à nouveau, c'est un homme qui a du mal à partager, voilà, à se départager financièrement. Et là, si vous êtes une femme qui aime prendre, gérer les choses dans le foyer, vous allez rencontrer des difficultés dans votre ménage. Et ce qui explique que la plupart des ménages aujourd'hui sont malades, vous comprenez? Parce que la réalité est qu'on vient tous des situations un peu compliquées. La réalité est que, soit dans certains ménages, l'homme et la femme sont blessés. Alors, deux personnes blessées, quand ils vivent ensemble, qu'est-ce qui se passe? Il y a les débuts, après le coup de foudre, lorsque le coup de foudre est fini, même est passé, lorsque vous rentrez dans l'étape maintenant des vrais sentiments, de vivre maintenant l'amour, les premiers moments, les premiers instants seront beaux, mais lorsque vous allez rentrer dans la routine du couple même, vous allez remarquer qu'il y aura l'ennui, voilà. Il y aura parfois des tirements de bec pour rien, voilà. Vous allez remarquer que ce sont des couples qui ne sont pas épanouis. Parce que c'est deux personnes, en fait, qui sont blessées et qui n'ont pas été traitées. Vous comprenez? Donc, les conséquences sont diverses. Mais le truc, la solution, c'est quoi? Moi, je pense que on peut toucher aussi les solutions dans le sens où qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de reconstruire ces personnes blessées? Alors, il y a les psychologues qui sont là. Il y a des coachs en conseiller matrimonial, c'est-à-dire que ceux qui s'occupent de reconstruire les couples, non seulement les couples, mais aussi des personnes qui sortent des couples qui étaient désastreux, qui sortent des échecs sur le plan sentimental. Alors, c'est possible que vous puissiez guérir par un suivi. Vous avez besoin d'aide. Il faut d'abord que vous acceptez que vous avez besoin d'aide, que... sans cette aide-là, si vous ne divorcez pas avec votre passé, si vous ne vous libérez pas de ces stigmates, de ces blessures qui vous empêchent d'être heureux, de retrouver le bonheur, de retrouver, comment on appelle, l'amour, de retrouver la confiance en soi, parce que certains hommes qui ont enregistré des violences psychologiques et morales, il y a eu des injures, donc l'identité de la personne a été atteinte. Donc, ce qui explique que ces personnes-là, pour certains, terminent toute une vie blessée. Ils ne connaissent plus jamais ce qu'on appelle le bonheur de tomber amoureux. Quand bien même que celui qui est derrière essaye de faire des efforts, voire lui prouver que je t'aime, c'est possible encore que les choses se passent normalement dans ta vie. Mais ce sont des gens, ils sont démoralisés, ils sont désespérés. Pour qu'ils remontent à la surface, c'est plus facile. Alors, la première chose, voir des psychologues, essayer de rentrer en contact, de traiter le problème avec des conseillers matrimoniaux, par exemple. Et la troisième chose que je voulais donner comme solution, il y a la religion qui est là, qui traite les émotions de n'importe qui, des enfants, des adultes, des parents, des gens qui ont été blessés, des personnes qui ont subi des violences, des abus dans l'enfance, des hommes comme des femmes, des abus sexuels, voilà, des violences psychologiques, morales, des violences physiques. Alors, la religion, la parole de Dieu traite la profondeur de l'homme dans toute sa globalité, voilà. La parole vient dans le but de guérir, de restaurer, de reconstruire.
Et elle te permet de recréer l'espoir et l'amour à l'intérieur de toi, parce que la parole elle-même, elle est l'amour, voilà. La parole elle-même, elle est comme une eau qui vient en fait te nettoyer, comme on appelle ça, un pansement qui vient panser toutes les peines, les blessures que tu as transportées à l'intérieur de toi. Les gens qui ont fait recours à la religion, pour la plupart, sinon à 85%, ils ont trouvé la solution à ce problème, voilà, et ils ont pu retrouver la paix intérieure. Vous ne pouvez pas continuer de vivre et transporter tous ces fardeaux à l'intérieur de vous, ce qui explique que certains d'entre eux, ils sombrent dans l'alcool. Les femmes, elles sombrent dans une vie de débauche qui n'a pas de nom. Voilà, vous allez rentrer dans les couples où... voilà, les femmes sont démoralisées, elles piquent des colères inexpliquées, vous comprenez? Vous allez rentrer dans les couples où l'homme pique des colères inexpliquées. Ce sont des hommes et des femmes qui transportent des stigmates, qui sont traumatisés, voilà, qui sont blessés. Pour eux, la vie n'a plus de goût, ils ne vivent plus en fait, ils survivent, vous comprenez? Donc, la plupart de ces personnes-là, ils ont besoin d'aide. Alors, j'espère que ce message aura aidé quelqu'un. Voilà, si vous êtes sur mes plateformes, n'oubliez pas de me suivre, voilà, de subscribe, de partager, d'inviter les autres. Pourquoi pas, on va partager une belle expérience ensemble. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine.